Coucou tout le monde! Alors, je reviens pour une vidéo balle sur le défi du mois de septembre. J'ai reçu la participation de Nathalie du 83. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, elle m'a envoyé plein de petites choses. Oui, j'ai déjà regardé. Alors, je vous présente sa participation pour le concours. Donc, comme prévu, c'est une carte shaker. On le voit, il y a les petites billes qui se baladent dans les feuilles. On a le petit animal, le petit écureuil. Et on a le petit bouton qui est sur le message de « The fall is here ». C'est « L'automne est là ». Donc, ici, on a une imitation bois. C'est du relief. C'est en relief. J'adore ces découpes de feuilles. Elle a mis des petits sequins. Pailleté, doré et marron. On a les petites feuilles qui sont en raccord avec son petit animal, son écureuil. Et c'est une carte qui s'ouvre par le bas. Alors, j'ai préalablement lu son petit mot. Nathalie, je voulais te dire que si tu veux reparticiper une fois en faisant du mix média, je prends. Franchement, j'aimerais bien voir un de mes défis en mix média. Franchement, ça me tend très bien. Voilà. Pour l'instant, je suis pas équipée pour, mais n'hésitez pas les filles si vous voulez participer en mix média. Je suis preneuse. Voilà. Alors ça, c'est sa carte. Elle m'a envoyé des découpes de Noël. Alors ça, j'apprécie et ça va vite partir sur mes petites cartes. Elle m'a fait des tags, il y a des paysages divers. On a des feuilles, des fleurs de poinsettia, mais tout pailleté. Elle m'a envoyé un petit lot d'étoiles argentées. Super sympa. Elle m'a envoyé aussi des autocollants 3D. Voilà, c'est des petites fleurs. Ce sera super sympa pour le printemps. Elle m'a envoyé aussi, elle m'a fait une ATC sur le même thème que sa carte pour le concours, donc sur l'automne. Ici, je pense que c'est un bouton avec une petite demi-sphère qu'elle a mis. Les petites feuilles, là, on les connaît toutes de chez Action. Et il y a une découpe en bois en guise de feuillage. J'adore son ATC, franchement elle est super chouette. Elle est vraiment dans le même thème que sa carte pour le défi. J'adore. Voilà. Là, elle m'a mis une autre pochette avec diverses découpes. Donc on a des ampoules, je vois des rouages, il y a une tasse de thé à l'anglaise. Il y a des livres, j'ai vu. Je crois qu'ici c'est des tickets, il y a des papillons. Merci Poulette, je vais pouvoir faire plein de choses avec. C'est très gentil de m'avoir envoyé ça. Alors, j'ai vu ça, j'étais folle. Elle m'a envoyé plein de découpes feuillage pour l'automne. On a des citrouilles, des feuilles, le mot « thanks ». Ça va partir sur mes cartes d'automne ou sur mes memory decks. Franchement, super, 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 super. Merci beaucoup. Et j'ai bien sûr la Memory Dex. Alors, elle a choisi le thème du Tea Time à l'anglaise. Ici, j'ai vu que le sachet de thé était en relief ainsi que les tasses. Et j'adore franchement ce que tu as fait avec... Est-ce que c'est ton papier qui est comme ça ou est-ce que c'est toi qui l'as colorisé avec de la peinture? Tu me diras en aparté, mais franchement, je suis bien curieuse. Je le trouve super chouette. Ça fait vraiment thé à la menthe, en plus. Voilà. Donc, elle m'a donné ses coordonnées. Et je n'oublie pas, elle m'a envoyé des petites pinces à linge avec des papillons et des fleurs. D'ailleurs, il y a une fleur qu'il faut que je recolle. T'inquiète pas, je le ferai. Et ça, pour les défis de printemps, je pense que je vais intégrer une pince à linge, ouais. Faut voir avec ce que je vais préparer, mais ça m'a donné beaucoup d'idées. Voilà. Donc, merci Nathalie pour ta participation. J'apprécie beaucoup tes petits cadeaux.
Merci pour ce que tu m'as envoyé, la mémoire, l'ATC, ta carte, bien sûr, ta participation que je remontre. On a quand même le bouton et le personnage, le petit animal, et c'est une carte shaker qui est très très jolie, franchement, elle est super chouette et j'adore le relief. Voilà. Sur ce, je sais que j'ai d'autres participations qui vont arriver sûrement dans la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!